Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre un code dans un vieil autoradio cassette d'une Renault Clio. Donc en l'occurrence c'est une Clio de 99 et c'était bien sûr les bonnes vieilles cassettes. Et donc c'est pas du tout le même système que les autres pour entrer le code. Donc je vais vous montrer comment tout valider parce que j'ai un peu galéré. Donc vous allez sur un site internet où vous téléchargez l'application pour chercher le code déjà. Donc moi j'ai trouvé mon code, je vais vous montrer tout ça. Donc là on a les 4-0 qui s'affichent quand on l'allume. Bon, le bouton s'est barré, je l'ai enlevé mais bon, je le remettrai. Donc voilà, on allume l'autoradio, hop, on a les 4-0. Si vous le faites une fois et que vous vous trompez, vous allez attendre au moins 30 minutes avant que les 4-0 reviennent, c'est une sécurité. Donc voilà, je vous le dis, donc moi mon code c'était 14, donc on met le 1, on appuie une fois pour le 1, sur le 1, après on le fait dans ce sens là, 1, 2, 3, 4, donc pour entrer les 4 chiffres. Le deuxième c'était 14, donc on appuie sur 2, mais on continue jusqu'à temps de trouver le 4, donc 14, là moi c'était 0, donc je fais défiler jusqu'à revenir au 0, comme ça je le valide, voilà. Après c'est pareil, 0 c'était 0,8, donc maintenant il faut que je fasse le 8. Et voilà, on est sur le 8. Donc j'appuie un coup là et j'appuie sur le 6 pour valider. Et voilà. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Donc la validation c'est le 6. Vous appuyez un coup sur le 5 quand même par précaution, mais la validation c'est bien le 6. Donc vous validez votre code et si ça marche pas, vous allez voir, ça va se bloquer et vous allez attendre 30 minutes et vous pourrez recommencer. Donc il y a plein de sites sur internet pour trouver vos codes. Pour savoir exactement quel code c'est, il faut démancher votre autoradio. Il y a des chiffres, il y a une plaquette avec un bout de papier et des chiffres. Ou sinon avec votre carte grise, on peut arriver à retrouver le code. Donc voilà, à plus tard dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Likez la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de la partager et à plus tard dans une prochaine vidéo.